La F1, l'apothéose du sport automobile. Avec un public mondial et un spectacle à assurer, l'attention se porte désormais sur les circuits du monde entier, en attendant le lancement du spectacle le plus rapide du monde. Les changements de règles de la saison dernière ont permis des batailles plus serrées, alors quiconque s'attend à ce que la saison 2023 se déroule sans rebondissement risque d'être surpris. Avec un remaniement du paddock qui a abouti à la signature de plusieurs nouveaux directeurs d'équipe, la F1 est désormais parée pour enflammer la scène internationale. Les officiels d'écurie discutent déjà de tactiques, ils stimulent la confiance de leurs pilotes et veillent à ce que leurs équipes des stands parviennent à effectuer des temps d'arrêt aussi courts que possible. C'est une nouvelle ère pour la course automobile. Un nombre plus important d'écuries vont se disputer les points, les podiums et une chance de remporter le championnat. C'est ça, la F1. Red Bull a pris les commandes de la F1 en 2022 en défendant son titre de champion des pilotes et en remportant le championnat des constructeurs pour la première fois depuis 2013. Cette saison s'inscrit dans la continuité avec le même duo de pilotes, Max Verstappen et Sergio Pérez. L'écurie arrive lancée, mais elle ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers si elle veut dominer l'année 2023 comme elle l'a fait en 2022. Sur le papier, Ferrari a réalisé une saison exceptionnelle en 2022 en finissant à la deuxième place du championnat des pilotes et du championnat des constructeurs. Mais des erreurs ont entaché sa saison et la deuxième place est un maigre lot de consolation par rapport aux résultats qui auraient pu être obtenus. De retour en 2023 avec ses deux pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz ainsi qu'un nouvel officiel d'écurie, il faudra corriger les erreurs du passé pour avoir une chance de finir à la première place cette année. Mercedes, l'année 2022 fut particulièrement dure. Troisième du championnat des constructeurs, ce résultat vient stopper sa série de 8 titres consécutifs. Et bien qu'elle ait fini par rattraper un départ de saison poussif, c'était trop peu et trop tard. L'écurie revient cette saison avec le duo de pilotes britanniques Lewis Hamilton et George Russell, avec pour objectif de reconquérir la couronne. Ils l'ont déjà fait par le passé et savent donc exactement quoi faire pour y parvenir. Lors de la première saison d'Alpine en 2021, l'écurie a réussi à se classer 5e du championnat, puis 4e lors de la saison 2022. Mais est-ce que la perte de son pilote vétéran Fernando Alonso va compromettre son entrée dans le top 3 cette saison? Ou au contraire, est-ce que leur nouvelle recrue Pierre Gasly, aux côtés de son compatriote Esteban Ocon, leur fera franchir ce cap dans la course pour le titre? Seul le temps et les résultats nous le diront. La saison dernière aura été frustrante pour McLaren qui a terminé 5e du championnat des constructeurs, perdant ainsi une place par rapport à l'année précédente. Elle reviendra en 2023 avec Lando Norris, le seul pilote en dehors des 3 premières écuries à être monté sur le podium en 2022, et le très convoité rookie Oscar Piastri. Avec cet effectif ambitieux au volant, McLaren est prête à se battre pour les meilleures places sur la grille cette saison.
Alfa Romeo a fait preuve de combativité en 2022 en réussissant à atteindre la 6e place du championnat des constructeurs avec un tout nouveau duo de pilotes composé de Valtteri Bottas et de Zhou. Les deux pilotes ont prouvé qu'ils avaient le talent pour réussir et en 2023, ils seront de retour pour tenter de se positionner le plus haut possible sur la grille. L'équipe de Inwheel entame la nouvelle saison en s'attendant à affronter une rude concurrence de la part des autres équipes qui bataillent pour les places du milieu de tableau. Aston Martin a terminé la saison 2022 à la 7e place en laissant échapper de très peu la 6e place. Mais grâce à de gros investissements et à des installations de pointe, cette année sera peut-être la leur. Suite au départ à la retraite du multiple champion du monde Sebastian Vettel, l'écurie a réussi à recruter Fernando Alonso, un autre champion du monde. Accompagné de Lance Stroll pour venir compléter l'effectif, Aston Martin est prête à se frayer un chemin vers le haut du classement. Haas a terminé la saison dernière à la 8e place des constructeurs, une amélioration par rapport aux années précédentes, mais qui est loin d'être satisfaisante. Avec le retour de Nico Hülkenberg en F1 dans l'écurie, ainsi que la prolongation de Kevin Magnussen dans son baquet, Haas a opté pour un duo de pilotes plus expérimenté pour la grille 2023. Et avec la persévérance qui caractérise l'équipe, ils auront à cœur de convertir cette expérience et cette passion en précieux points cette saison. La fin de la saison 2022 a été décevante pour AlphaTauri qui a dû se contenter de la 9e place, son pire classement depuis qu'elle a adopté son nouveau nom. Mais ils ne peuvent pas se permettre de s'attarder sur ces mauvais résultats s'ils veulent espérer progresser au classement. Cette saison, avec l'arrivée de Nyck de Vries aux côtés de Yuki Tsunoda, il est temps pour AlphaTauri de faire oublier les problèmes de l'année dernière et de prouver qu'ils ont de quoi réussir. La 10e place du championnat des constructeurs n'est pas celle que Williams aurait souhaité occuper en 2022, mais cela n'empêchera pas l'écurie de se battre. Le jeune Logan Sargeant rejoint l'écurie pour cette nouvelle saison après une brillante performance en F2. Il sera aux côtés de son coéquipier plus expérimenté, Alex Albon. Et avec une direction compétente, l'écurie veut revenir en force en 2023.
Vous devez être le nouvel officiel d'écurie. Ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Audrey, une des ingénieures de l'équipe. Venez, je vais vous présenter tout ça. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ici, chez Aston Martin. Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire cette saison si nous voulons finir à la place que nous méritons. Mais nous sommes toujours prêts à relever le défi, et on espère que vous l'êtes aussi. Dans cette zone, vous disposez d'une vue centralisée sur tout ce qu'un officiel d'écurie doit suivre. Le conseil a défini les objectifs à atteindre pour la saison. Si vous les respectez, la confiance du conseil restera élevée. Alors, familiarisez-vous avec ces demandes. Et pensez à garder un œil sur l'objectif à long terme qui dépasse la saison en cours. À partir d'ici, vous pourrez savoir quelle sera la prochaine course de l'équipe et combien de temps il vous reste pour vous préparer. Notre prochain Grand Prix sera le premier de la saison. Comme il s'agit de votre premier jour, il n'y a pas d'urgence. N'hésitez pas à explorer davantage. Sinon, vous pouvez sélectionner « Continuer » et en finir pour la journée. Le temps passera, mais ne vous inquiétez pas, vous vous reconnecterez automatiquement en cas d'événement important. Voici votre boîte de réception. Surveillez les notifications. Elles apparaissent lorsque vous avez un email important en attente de réponse. Les revenus provenant des sponsors sont vitaux pour une équipe et il existe différentes façons d'augmenter ces revenus. En dehors des week-ends de course, nous obtiendrons continuellement des revenus passifs grâce à des événements de sponsors programmés tout au long de la saison. N'oubliez pas que ces obligations de sponsors perturberont la gestion quotidienne de l'équipe. Par exemple, un événement peut indiquer que l'usine est en pause, entraînant une augmentation temporaire des délais de fabrication. Gérer une écurie de F1 coûte cher et une gestion financière rigoureuse est essentielle. Vous pouvez consulter le solde actuel de nos comptes ici. La majeure partie du budget de l'écurie est décidée par le conseil au début de la saison. À cela s'ajoutent les récompenses de la saison dernière ainsi que les revenus supplémentaires des sponsors. Thank you.
Lorsque vous prenez des décisions financières, n'oubliez pas de tenir compte du plafond de dépenses. À quelques exceptions près, il s'agit de dépenses obligatoires pour les transactions de l'équipe. Si nous dépassons ce plafond, que ce soit intentionnellement ou par accident, l'équipe se verra infliger une amende. Vous pouvez consulter les objectifs de performance des sponsors ici. Voici les objectifs de performance pour le week-end à venir. Si nous les atteignons, nous gagnerons des revenus supplémentaires. Mais si nous n'atteignons pas l'objectif, cela ne coûtera rien à l'équipe.
Le perfectionnement des voitures est un processus constant si nous voulons rester compétitifs par rapport à nos concurrents. Les nouvelles pièces sont d'abord conçues en interne par l'équipe. Elles peuvent ensuite être fabriquées et installées sur les voitures. Allons à la rencontre des pilotes de l'écurie. Ils sont sous contrat avec nous pour cette saison et leur développement professionnel ainsi que leur performance en course feront la gloire de notre écurie ou provoqueront sa chute. Chaque pilote a ses points forts et ses faiblesses. Ces statistiques influent sur divers aspects de leur capacité à conduire. Tout pilote qui participe à un week-end de course accumule de l'expérience et s'améliore au fil du temps. Vous devez surveiller le moral des pilotes au fil de la saison. Plus le moral d'un pilote est élevé, plus il est performant pour l'équipe. Le moral d'un pilote affectera aussi sa confiance sur la piste. Chaque pilote dispose d'un ingénieur de course attitré avec qui il communique lorsqu'il est dans le cockpit. Un couple pilote-ingénieur de course ayant une plus grande affinité travaillera mieux ensemble, ce qui est primordial lors d'un week-end de course sous haute tension. Pour vous assurer que votre équipe évolue comme vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place un plan de développement ciblé pour chacun de vos pilotes. Si vous voulez demander à votre personnel de se concentrer sur des domaines spécifiques, vous pouvez le faire ici.
D'ici, vous pouvez voir toutes les installations de l'écurie, des bâtiments du personnel à l'entrepôt de pièces. Vous pouvez construire de nouvelles installations ou, si l'équipe en a le temps et l'argent, améliorer les installations existantes. Les installations affectent tous les domaines de performance de notre écurie. Au fil du temps, les installations se dégraderont et deviendront moins efficaces. Alors surveillez leur état. Lorsque cela se produira, nous devrons envisager de remettre à neuf ou même d'améliorer les installations concernées pour revenir à une efficacité maximale. Ce n'est pas seulement la voiture la plus rapide qui fait qu'une écurie est la meilleure en F1. Ce sont les personnes qui travaillent dur en coulisses. Gérez votre personnel d'ici, des chefs de service à l'équipe des stands, et tenez-vous au courant de leur performance. Vous pouvez consulter ici le programme établi par votre directeur sportif pour l'équipe des stands. Vous pouvez également lui créer un plan de développement. Les secondes que ces personnes nous font gagner sont importantes. Leur entraînement l'est tout autant.
L'équipe des stands est un rouage essentiel de notre équipe. Sa fiabilité et sa rapidité peuvent faire la différence lors d'une course. Lorsqu'elle est de retour au QG entre deux courses, l'équipe peut s'entraîner pour s'améliorer dans différents domaines. Le plan de développement de l'équipe des stands sera équilibré, mais des instructions supplémentaires pourront être données pour qu'ils se concentrent sur un domaine spécifique. L'équipe des stands est constamment en train de s'entraîner. Vous pouvez accéder au programme d'entraînement de l'équipe via le calendrier et ainsi modifier le plan actuel jusqu'à la répartition journalière. N'oubliez pas que le travail et l'entraînement de l'équipe des stands sont très physiques et une équipe fatiguée peut être susceptible de commettre plus d'erreurs. Le constructeur ayant effectué le plus grand nombre d'arrêts au stand les plus rapides sera récompensé par le prix DHL Fastest Pit Stop à la fin de l'année. Une fois que vous êtes satisfait du programme de formation de l'équipe des stands, vous pouvez le confirmer.
disposons d'une excellente équipe de recruteurs, dont le travail consiste à repérer de nouveaux membres d'équipe. Qui sait quel talent caché ils pourraient être en mesure de découvrir? Vous pouvez demander au recruteur d'effectuer un repérage standard ou spécialisé d'un potentiel membre du personnel, en fonction des délais et des informations dont vous avez besoin. Si vous pensez qu'une personne pourrait convenir à l'équipe, n'hésitez pas à proposer un contrat. Avant de négocier, assurez-vous d'avoir une bonne idée des attentes de cette personne. Chaque pièce que nous concevons aura un impact sur les performances d'une voiture, mais certaines pièces auront un impact plus important que d'autres. Concentrez-vous sur les pièces qui comblent les faiblesses ou qui seront utiles pour les courses à venir. Les tests constituent également une étape importante dans la conception d'une nouvelle pièce. Ils peuvent être effectués en utilisant notre soufflerie ou en utilisant la mécanique des fluides numériques, MFN. Votre responsable de l'aérodynamique vous enverra un rappel par email lorsque les périodes de test changent.
Vous pouvez indiquer à l'équipe d'ingénierie de se concentrer sur des domaines de performance précis. Les pièces d'une F1 sont complexes et parfois, il faut sacrifier les performances dans un domaine pour obtenir des gains dans un autre. Les pièces aérodynamiques ajoutent tout un poids supplémentaire à la configuration de la voiture. Cela entraînera une réduction de certains aspects des performances de la voiture. Concevoir des pièces aérodynamiques plus durables permettra d'augmenter leur durée de vie, mais en contrepartie, fera augmenter leur poids. Les pièces automobiles plus légères dureront moins longtemps, ce qui les rendra plus chères au final. Pour chaque projet de conception, vous pouvez choisir le nombre d'ingénieurs que vous voulez affecter à ce projet et l'approche technique qu'ils devront adopter. N'oubliez pas que ces décisions auront un impact sur la durée et le coût de chaque projet. Thank you.
Mesdames et messieurs, bienvenue à Bahreïn. La F1 est de retour. Alors que nous commençons une toute nouvelle saison, les compteurs sont remis à zéro. Et les 20 pilotes se préparent à poser leur marque avant une année passionnante. Le circuit international de Bahreïn est réputé pour être dur avec les pneus, car l'asphalte y est très abrasif. Les pilotes sont confrontés à de nombreux virages à vitesse lente ou moyenne, et chaque gros freinage aura inévitablement un impact sur les gommes. Williams parie sur un nouveau pilote ce week-end. Mais une question persiste. Est-ce que ça va payer? Que ce week-end de folie commence! Bienvenue dans votre premier week-end de course avec l'écurie. Un week-end de course classique commence par 3 séances d'essais, puis une séance de qualification et enfin la course. Plus tard dans la saison, nous verrons d'autres formats comme le week-end de sprint. Dès que vous le souhaiterez, nous pourrons passer à autre chose.
voici notre zone de préparation de course. C'est là que vous pouvez apporter les modifications dont vous avez besoin avant la prochaine session d'essai. L'équipe élaborera un plan de session, mais libre à vous de le revoir et d'y apporter des modifications. N'oubliez pas que l'utilisation des pneus pendant les essais aura une incidence sur les pneus disponibles pour les qualifications et la course. N'hésitez pas à consulter le plan de session et les options disponibles. Lorsque vous le souhaiterez, nous passerons à la suite. Pendant les week-ends de course, vous pouvez décider de gérer vous-même les séances d'essai ou d'en confier le contrôle à votre équipe. Comme c'est votre premier week-end de course, vous devriez laisser l'équipe s'occuper des séances d'essai.
should be green now. Ready to check. Okay, Lance, ready to check. Yeah, loud and clear. Yeah, copy same. Thank you.
Yeah, those are. I'm sorry about that, guys.
I'll have an update on balance when you can. This quite good. Yeah, confirm. How does it feel? Happy. Copy.
boxing. Thank you.
Any thoughts on setup options? This quite good. Copy that. Thank you.
How's the car? Yeah, it's okay, it's good. Copy. Checker flag is now. Thank you.
Thank you.